Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'on ne va pas parler ici spécifiquement de Moodle, mais je voulais vous parler de Moodle articulé avec un outil que j'utilise beaucoup ces temps-ci, c'est un de mes petits chouchous, qui est donc Discord. Donc je vais vous montrer en fait dans cette vidéo comment finalement il est possible d'intégrer un embed de notre serveur Discord, hein, parce que c'est un outil qui peut être complémentaire je trouve à Moodle pour permettre aux personnes de collaborer, éventuellement d'échanger notamment live par exemple. Et je vais vous montrer un petit peu voilà, comment articuler un peu ces deux outils en faisant une intégration assez basique, hein, vous allez le voir. Soit une intégration où on voit donc les catégories du serveur ainsi que les membres du serveur, soit une intégration où on voit également les mêmes choses on va dire, mais on ajoute également à cette intégration un lien d'invitation vers le serveur. Je profite également de cette vidéo pour vous informer que j'ai créé une formation qui s'appelle 100% Discord pour créer ta communauté d'apprentissage. Donc si jamais ça intéresse donc des personnes de la communauté Moodle en 2 minutes, n'hésitez pas, ici je suis encore en offre de lancement. Donc ça vous permettra finalement de créer votre serveur, de créer votre communauté d'apprentissage directement dans Discord. Donc cette formation de 3 heures environ hein, qui va vous permettre vraiment de développer beaucoup de compétences hein, dans cet outil qui de mon point de vue est un outil duquel on n'a pas encore fini de parler puisque c'est vraiment un outil qui est sur une pente ascendante et qui est aujourd'hui très utilisé et vraiment très puissant hein. Donc je vous invite vraiment à découvrir au moins en tout cas le plan d'information et le contenu de cette formation. Voilà, donc on y retourne. Je vais simplement vous montrer maintenant eh bien, comment on va intégrer notre serveur Discord dans Moodle. Alors je vais aller ici directement donc, dans mon compte Discord. Et ici j'ai créé deux serveurs, un serveur S1 et S2 pour vous montrer un petit peu deux exemples. Je vais aller dans le serveur S1 et en fait ce que vous faites, hein, si vous ne connaissez pas Discord, c'est que vous allez ici dans les paramètres du serveur et qu'il y a une partie comme ça qui s'appelle widget et c'est ici qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on appelle un code embed pour intégrer finalement un petit affichage sympathique hein, de votre serveur directement dans Moodle. Alors donc ce qu'il faut faire c'est activer donc le widget donc du serveur et ensuite vous allez avoir ici deux possibilités. Soit vous souhaitez créer donc une interface plus d'informations avec des catégories mais sans forcément un lien d'inscription vers le serveur, ou soit bien vous souhaitez créer à la fois donc un lien vers l'interface etc et plus le lien d'inscription pour permettre à vos étudiants éventuellement et eh bien d'être membre également de ce serveur. Je vais vous montrer un petit peu les deux options. Alors ici on va simplement partir sur le principe qu'on ne souhaite pas forcément mettre de lien d'inscription avec. Je vais copier ici ce code embed, je vais retourner maintenant dans Moodle et ce que je vous conseille de faire ça va être plutôt de créer un bloc HTML plutôt que de l'intégrer directement dans une page. Vous voyez si je veux l'intégrer dans une page, alors c'est possible hein, je pourrais tout à fait créer par exemple une étiquette hein, ou dans la page d'accueil hein, j'entends, et je pourrais ici passer en mode ici HTML avec les petits chevrons, je copie finalement le code embed et voilà je clique sur enregistrer revenir et là bah, je vois directement sur ma page hein, le serveur, en tout cas les catégories du serveur et les membres en ligne. Ici je n'ai pas hein, de lien vers l'inscription serveur, mais bon je trouve qu'économiquement parlant c'est pas forcément je trouve très adapté. Donc ce que je vous conseille de faire plutôt eh bien c'est de passer donc dans la partie ici ajouter un bloc, d'ajouter un bloc HTML et ici on va modifier donc ce bloc HTML. Je vais l'appeler ici serveur Discord. Pareil, je passe en mode HTML, je copie le code HTML et je valide. Alors comme vous le voyez en général, hein, suivant votre interface, ici c'est trop large au niveau de la présentation. Donc ce que vous pouvez faire hein, tout simplement, hein, sans forcément d'ailleurs avoir de compétences en code, hein, mais simplement rentrer ici dans le code embed, hein, vous allez voir c'est quand même c'est très simple à comprendre. Ici on a la largeur, on a la hauteur, on peut modifier simplement ici la largeur. Hein. Dans mon cas je vais mettre 250 pixels hein, au lieu de 350, je valide. Et là, je retrouve une intégration qui est propre, on va dire, de l'interface de mon serveur, de la présentation, je dirais, de mon serveur Discord. Maintenant, pour finir cette formation, je vais vous montrer quand même qu'il est possible, je pense que c'est sans doute le plus pertinent, eh bien, également d'intégrer un lien donc d'invitation vers votre serveur. Pour cela, vous allez donc ici, dans, je vais vous montrer exemple par rapport au serveur numéro 2 ici, je vais dans les paramètres du serveur, toujours pareil, widget. Et ici, je vais sélectionner un salon d'accueil, de bienvenue finalement. Ici, je clique sur le salon bienvenue. Et donc, j'active bien sûr le widget. Et automatiquement, hein, à partir du moment où j'ai sélectionné comme ça un salon dans mon serveur, eh bien, il y aura une invitation hein, vers ce serveur qui sera générée. Donc, je copie maintenant le code ici embed.
Sachez d'ailleurs au passage qu'il y a également une API JSON et identifiant les serveurs, etc., qui en principe vous permettre de faire une intégration plus complète dans Moodle. Hein. Moi je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire de cette vidéo si jamais vous l'avez fait, ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas ce que je vous montre c'est vraiment le assez basique, mais sachez en tout cas que ça existe. Hein. On peut avoir un lien ici vers l'API Discord. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc je copie donc mon CAD embed et je vais revenir maintenant sur ma plateforme Moodle. Donc je vais supprimer ici ou je vais modifier simplement d'ailleurs le bloc. Je rentre dans mon code HTML, je vais supprimer le code HTML précédent, je copie mon nouveau code embed ici, je vais modifier hein, la largeur comme je l'ai fait tout à l'heure, et j'enregistre. Et voilà, maintenant j'ai donc intégré ici donc la présentation de mon serveur avec les différentes catégories, les membres du serveur. Et ici on voit maintenant qu'il y a un bouton connexion donc, qui va permettre aux personnes eh bien, d'arriver, hein, s'ils ont un compte Discord en tout cas, de pouvoir se connecter donc, à votre serveur, ce qui me semble sans doute le plus pertinent. Voilà un petit peu pour cette méthode d'intégration un petit peu élémentaire, je dirais, de votre serveur Discord, d'un serveur Discord dans un espace de cours Moodle, hein, en tout cas ce qui me semble le plus pertinent en termes d'ergonomie. Pour rappel, hein, n'hésitez pas eh bien, à cliquer sur le lien en description pour voir un petit peu le détail de la formation 100% Discord pour créer ta communauté d'apprentissage. Je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup de membres aussi de la communauté dans 2 minutes, parce que avoir cette double compétence Moodle Discord me semble quand même très intéressante aujourd'hui. Voilà, écoutez, eh bien, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une excellente utilisation de Moodle et ou de Discord, et je vous dis à très très bientôt.